Le Vengeur Masqué présente Love Letter. Love Letter est un jeu de déduction qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. L'objectif est de deviner quelles cartes détiennent nos adversaires afin de les éliminer. Dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie. Chaque carte possède un pouvoir spécifique qui permet de comparer, dénoncer, faire défausser l'adversaire, etc. ainsi qu'une valeur comprise entre 0 et 9. Au tout début d'une manche, une carte est retirée de la pioche face cachée. Ainsi, il y a toujours une part d'incertitude dans la déduction. Lors d'une manche, chaque joueur doit toujours avoir une carte en main. Le joueur dont c'est le tour pioche une carte supplémentaire et choisit laquelle des deux il veut jouer. La carte jouée doit être posée face visible et son effet doit être appliqué. Je pense que tu as le chancelier. Non. Toute carte jouée ou défaussée doit être visible tout au long de la partie. C'est ce qui permettra de déduire les cartes des adversaires. Par exemple, si on voit le roi posé sur la table, étant donné qu'il n'y a qu'un seul roi dans le jeu, aucun de nos adversaires ne peut détenir cette carte. Si à la fin de la manche, c'est-à-dire quand la pioche est vide, il reste encore plusieurs joueurs en course, c'est la valeur la plus forte qui remporte la manche. Le premier joueur qui remporte 5 manches gagne la partie. À vous de jouer !